Bonjour et bienvenue au sein de la pierre. Aujourd'hui, je vais pouvoir enfin vous dire où je me trouve. C'est cool, hein, ça change un petit peu. Donc, je vais vous présenter une motte castrale du 11e siècle qui n'a jamais servi. Il y en a plein comme ça en France qui ont été faites et qui n'ont jamais servi. Et oui, je suis encore en forêt. Je passe mon temps en forêt. Je mets la forêt, c'est mieux la forêt que la ville. C'est moins polluant en fait. Il y a moins de monde aussi. Il y a surtout moins de monde. Petit rappel pour les gens qui ne sauraient pas ce que c'est qu'une motte castrale. C'est une motte. Voilà, stop, c'est fini. Non, en fait, c'est un endroit où on met de la terre. On empile de la terre pour pouvoir faire une espèce de dôme, une sorte de dôme, sur lequel on vient mettre par-dessus une tour de défense pour un village fortifié, ou un futur village fortifié, qui plus tard sera un château fort. Seulement, on a en France donc des mottes castrales qui n'ont jamais été utilisées, puisqu'en fait, les plans cadastrales, qui n'existaient pas encore, ont un peu changé. Le seigneur a changé de place, donc il voulait autre chose, et peut-être plus loin ou plus près que ce qui a été fabriqué. Et ça a beaucoup changé ici. Oh merde! Ah, ça a beaucoup changé. Ouais, je connais ce lieu depuis longtemps en fait. Parce qu'ici, il y a un festival qui vient tous les ans, il y a un festival. Il y avait une tour aussi. Ah, là-bas, tour. Bon, allez, je vous montre ça. Je suis sur la commune de Sieck, en Charente-Maritime, non loin du petit théâtre gallo-romain des Bouchots, que je vous ai déjà présenté. Et donc à Sieck, il y a cette motte castrale qui est là, avec différentes infrastructures, puisqu'il y a des rassemblements, des événements ici, que ce soit au niveau festivalier, musical ou carrément médiéval, quoi. Par endroit, même si c'est juste un endroit de fête aussi. Donc on peut dormir dans les petites maisons là, qui ont été faites, ou juste se poser aussi. Donc le four est fonctionnel, hein. On peut vraiment faire manger dedans du pain ou des galettes. Ici, il y avait le festival de la motte, il y a encore quelques années, que j'ai fait en tant que photographe. Ça remonte un petit peu. Hein. Et ça s'appelait le festival de la motte ou la motte au fait. Enfin, c'est la motte au fait. D'ailleurs, je vais vous montrer la motte au fait, enfin. Donc, la motte castrale qui n'a jamais servi. Parce qu'en fait, ils ont monté cette motte. Et par la suite, ils ont mis le château beaucoup plus loin, que je vous montrerai aussi tout à l'heure. La motte en elle-même fait environ 20 mètres de diamètre. Donc c'est quand même un joli bébé. Et elle est à 5 bons mètres en fait. Et comme toute motte, il y a un fossé extérieur. Alors si on rase tout, parce que là forcément c'est un bois qui est super jeune, hein, logique. Mais si on rase tout, on a une vue même de là-haut sur ce qu'il y a aux alentours. On est à environ 150 mètres d'altitude. Et croyez-moi que ouais, si on rase tout, on voit bien ce qui se passe en face et sur les 360 degrés en fait. Je vais vous montrer maintenant le château, le Neuvic-le Château, qui aurait dû être normalement ici. Ouais, donc d'ici le château il est là, hein. C'est ce petit machin blanc là. Je ne sais pas si ça se voit bien la caméra. Donc ça c'est le château, et le château qui est un peu contrebas, et la motte qu'on était tout à l'heure, elle est
par là, quelque part par là, là. À environ 5 bornes, on est vraiment à peu près à 5 km du à vol d'oiseau de ce château. Après, si vous voulez voir plus près, on peut y aller en fait. Bon, bah, de toute façon, là, ce château-là, normalement, c'est celui qui devait être à Sieck, normalement. Seulement, mon histoire, je ne l'ai pas révisé, donc par conséquent, je ne sais pas si ce que je dis, c'est de la connerie ou pas. Réponse, ici. Peut-être qu'un jour, je le ferai celui-là. En mode histoire, peut-être. En tout cas, il est dans les cartons, voilà. Bon, on part maintenant sur un deuxième site, qui est aussi... Bah, c'est pas, là, pas une mode de terre. Hein. On y va. Eh ouais, deux endroits. Pourquoi faire? Parce que c'est intéressant. Hein. Petite courte vidéo, t'en profiter, hein, clairement. Là, je vais vous montrer un truc qui s'appelle la fontaine de Charlemagne. Je suis près de Saint-Agnan, en Charente-Maritime, encore. Et la petite légende, c'est Charlemagne. Et il y a énormément de choses autour de Charlemagne, en type légendaire. Alors que c'était un roi, un empereur. Ouais, c'est pas lui qui a inventé l'école, hein, d'accord? La source, sa source, elle est là. C'est pas gros, hein, c'est tout petit. Une légende locale veut que ce soit Charlemagne qui soit passé par là. Les paysans du coin n'avaient plus d'eau pour pouvoir boire, tout simplement, même pour mettre un peu dans les champs. Donc Charlemagne, cet bel homme, cet empereur monumental, ce qui a fait du bien pour l'Empire franc, en extension globale de territoire européen, serait venu ici et grâce à son cheval, un grand coup de sabot au sol et a fait jaillir la flotte pour les paysans. Et du coup, ça s'appelle la fontaine de Charlemagne. Ça me fait penser un petit peu aussi à toutes ces légendes au niveau des saints qui arrivent dans un village où il n'y a plus d'eau et qui vont sur une, je sais pas, sur une montagne ou pas loin du village et qui claquent de leur grand bâton de berger en tant que saint homme le sol et font jaillir des fontaines, jaillir des cascades pour nourrir et pour faire abreuver les chevaux, les animaux, tout ça quoi. On va penser un petit peu à ça. Et maintenant, on va passer au troisième lieu à faire, que vous allez voir maintenant. Troisième lieu, c'est parti. Je suis ici, en Charente-Maritime, encore une fois, sur la commune de Chives. Chives ou Chives, je sais pas, Chives en tout cas. Et je vous présente le plus grand menhir encore en place en Charente-Maritime. Et c'est assez mignon comme petit coin d'ailleurs. Il s'appelle le menhir de la Grande... Non, c'est quoi? Le menhir... La Grande... Le menhir de la Grande Borne. Bah, je vous le marque là en fait. Voilà. Ce menhir est en calcaire. J'en vois pas beaucoup en calcaire, mais de toute façon, c'est peut-être le premier que je vois. Ou alors, j'ai pas fait gaffe. Son orientation est nord-est-sud-ouest. Si vous avez vu la vidéo sur le menhir de Monteuf, je précise que les faces sont orientées est-ouest. Lui, c'est pas le cas. C'est pas grave, hein. Il y a sûrement une raison valable à ça. Ce qui est intéressant, c'est que le menhir, donc, il borde la rivière et je suppose qu'il y en aurait d'autres ailleurs, mais avec le temps de l'agriculture et surtout la destruction des menhirs et des dolmens et tout ce qui va bien au niveau des anciennes croyances par différents conciles, j'en ai déjà parlé dans la vidéo de Monteneuf, hein, eh bien je pense que c'est pas forcément le seul ici, mais bon, ça a été dévasté dans tous les sens. Voilà, voilà, si ça vous a plu d'avoir ce format-là de trois sites où je donne enfin les noms, bah dites-le moi en commentaire, je prends, je pense que je recommencerai ce type de vidéo. Et abonnez-vous à la chaîne, ça me soutiendra complètement dans ce que je fais comme travail. Merci à vous, abonnez-vous. A bientôt, salut.